bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons aller avec Michel, qui se trouve à Koursk. Koursk, oui, tout à fait, à quelques encablures de la frontière ukrainienne. Donc, encore dans une zone de guerre. Bon, je tiens à vous rappeler que vous pouvez me joindre sur mon site web pour partager ce que vous aimez ou ce que vous voulez critiquer. C'est finalement sur mon site que vous pouvez vous exprimer. Et je crois que c'est le seul site sur le web où vous pouvez vous exprimer. Oui, encore autre chose, la connexion a été très difficile. Alors, vous excuserez, il y a quelques petits problèmes. Voilà. Oui, bonjour Michel. Alors, Bonjour. vous êtes à proximité de la frontière ukrainienne, à combien de kilomètres de Belgorod? 100 kilomètres environ, Ah oui. dans la ville de Koursk, où maintenant les choses se calment un petit peu, mais ces derniers temps, voilà pratiquement une semaine que nous sommes à peu près tranquilles, mais ces derniers temps, 3 fois par semaine, les sirènes résonnaient dans la nuit et nous entendions les tirs de DCA. Voilà, bon, on s'habitue. Alors, Mais malgré tout, voilà. vous vivez depuis combien de temps à Koursk? Ah, je vis depuis 11 ans en Russie avec mon épouse Anna, qui est russe. Nous avons un petit garçon qui a maintenant 4 ans. Qu'Anna d'ailleurs a enfermé de l'autre côté parce que sinon il serait venu participer à la conversation. Je suis très fier parce qu'il parle parfaitement les deux langues. Oui, c'est un Mais binational. voilà, oui, tout à fait. Bon, ma vie en Russie est très agréable. Je veux dire, je ne. Quand j'écoute, quand je regarde chaque jour les informations françaises, ou je me dis, mais de quoi il parle? Exactement de quoi il parle? Moi, je vis là, je vis à 120 km de la frontière ukrainienne, et bon, je ne me sens pas en danger si. Si, un peu, parce que bien sûr, il y a des choses, il n'y a pas beaucoup d'infrastructures militaires majeures. Oh, il y a bien une ou deux casernes par-ci, par-là, qui reçoivent des appels. Mais tranquille, je veux dire, quand l'autre jour, un drone est tombé à proximité du marché de Koursk, vous savez, les grands-mères qui vendent des confitures sur le marché de Koursk ou qui vendent des petits légumes, bon, de la même façon, voilà, c'est. La vie ici, la vie est facile. Sincèrement, moi. Non, attendez. Pour moi, parce que je suis retraité français, j'ai une retraite française. Les Russes m'aiment beaucoup. Les Russes nous aiment beaucoup. Je veux dire, le quotidien, la population moyenne, les gens me prennent dans les bras, me disent bonjour Michel, tout va bien. Je veux dire, est-ce que vous savez un truc absolument extraordinaire? C'est que n'importe où que j'aille, avec mon accent français, ou si j'ai deux mots en français, la dernière des petites grand-mères du marché parle en Mais alors, français. Essayez de Michel, trouver en France. Michel, Oui. comment les Russes appréhendent-ils la position de la France? Je ne peux pas vous parler des élites russes. Je ne peux vous parler que des gens de base, comme moi, lesquels je vais faire du sport, avec lesquels je vais dîner un soir, avec où on va fêter un anniversaire ou quelque chose comme ça. Je ne peux vous parler que de ça. Et ce que je peux en dire, c'est que ils aiment les Français, mais ils disent Michel, Ishto, Macron. Alors, Voilà. Je suis désolé. C'est-à-dire qu'ils ne consomment rien contre les Français, mais ils nous souhaitent votre président.
Alors dites-moi, vous m'aviez T'écoute. dit que vous aviez des beaux enfants qui ont été évacués de Belgorod, c'est ça? Oui, ça, j'ai un. Mon épouse, Anna, vous savez, faut pas se leurrer, elle a 45 ans, Oui. j'en ai 67. Voilà 12 ans que nous sommes ensemble, et elle avait un petit garçon quand je suis arrivé. Bien Ce sûr. petit garçon, maintenant, est étudiant. Oui. Et donc, il était étudiant à Bel il est toujours, alors je, nominalement, étudiant à Belgorod. Le problème, c'est que l'Ukraine tire sur Belgorod. Je connais bien Belgorod, souvent, souvent, vraiment. Pourquoi? C'est une ville où il ne se passe rien. Oui, il y a une. Bien sûr qu'il y a une caserne. Cette caserne, à mon sens, pour autant que j'ai pu en juger, missiles terrifiants, de choses comme ça et tout. Et là, on le voit, on pense, évidemment, heureusement. Mais moi, qui vis ici depuis 12 ans, moins pour les tirs sur Belgorod, je ne sais pas pourquoi les tirs sur Koursk. Je veux dire. Qu'il tire sur, excusez-moi, je vais dire une chose, qu'il tire sur Sébastopol. Bon, ça peut paraître tout à fait quand un drone tombe sur le marché de Koursk. Bon, ça fait une grande confiture. Je vous rassure, il n'y a pas eu de mort ni de blessés. Mais. Alors, dites-moi, Michel, bon, ça fait 12 ans que vous êtes en Et Russie. Et ça fait 12 ans que vous êtes en Russie. Est-ce que vous avez vu un changement depuis 2 ans dans la vie en Russie? j'ai vu un changement depuis 10 ans, depuis 12 ans. Et pour les infrastructures, c'était, on va dire, allez, pour certains endroits, c'était assez moyen. Pendant ces 12 ans, j'ai vu énormément de choses se passaient, c'est-à-dire les infrastructures reconstruites, les écoles, tout se construit. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Il ne se passe rien que du positif. J'y vais, je vous dis. Allons-y. Les magasins sont pleins de tout. Oui. Et l'âge que j'ai, commander des lunettes progressives. Avec. Savez-vous d'où viennent les verres lunettes qui ne sont pas achetées, enfin, qui sont achetées mais pas arrivées, elles arrivent dans 15 jours. C'est Essilor, ce sont des verres français. Eh oui. Et j'ai dit à la dame, mais comment vous faites? Elle dit, bonjour, orienté. Je m'en fous. À la limite, je dirais que quand je suis arrivé en Russie, pourquoi je suis venu en Russie? On a commencé, oui, modeste employé, j'étais conducteur de train. Et j'aimais beaucoup, mais depuis très longtemps, tous les écrivains russes. Tolstoï, Gogol, Dostoïevski, Turgenev, et autres, et autres, et autres. Nous avons décidé de vivre chacun notre vie. L'ancienne, je veux dire. Eh bien, j'ai dit, pourquoi je n'apprendrais pas le russe pour lire les écrivains russes Dans la langue. dans le texte. Parce que le russe, voilà 10 ans que je suis en train de l'apprendre. Bon, c'est peut-être l'âge que j'ai qui fait que je. Même aller dans un cours à l'université de Koursk, de russe comme langue étrangère, énormément, et francophone, avec qui je suis devenu très copain. Bon, j'étais le grand-père du cours. Essayer d'apprendre cette langue, et je vous assure qu'elle est très difficile. Et ce qui s'est passé, c'est que au moment où j'ai essayé d'apprendre cette langue, je suis tombé sur une jeune femme sur Internet qui corrigeait mes exercices de russe français.
Voyez-vous, elle me disait, monsieur, non, ce n'est pas comme ça qu'ils sont. Alors, je dis, bon, nous avons bavardé, bavardé, puis bavardé, puis bavardé pendant un an. Puis nous sommes rencontrés à Helsinki et Bagdad. Et depuis, je n'ai jamais quitté la Russie. Et maintenant, j'ai un petit garçon de 4 ans. Magnifique. Fils de 30 ans en France et un fils de 4 ans en Russie. Et voilà. Et j'ai du mal à apprendre le russe parce qu'elle parle français comme vous et moi. Ah, Donc, terrible. je me débrouille en russe assez pour acheter mon pain, largement. Mais je ne pourrais pas soutenir une discussion philosophique. Ah. T'as tort, cher ami. Ah ben non. Il n'y a pas eu de problème avec les sanctions. Question indiscrète. Est-ce qu'un jour vous aimeriez revenir en France? Réponse formelle. J'aime la France. J'aime mes clochers, mes villages. J'habitais le Vexin français. Oui. Une chose, un très joli village, un village où a vécu Claude Monet. C'est très beau. Mais ici, les gens sont, je dirais pas chaleureux au premier, réservés, calmes. Ils sont, mais quand vous les connaissez, c'est trop. Ils vous donneraient tout, leur chemise, leur. Non, Michel, ça ne fait rien. Vas-y, prends. Ben non, attends, pas tout quand même. D'accord. C'est mon épouse qui me parle. Voilà. Et donc, que vous dire? Ici, le fait que mon numéro, personne. Bon, très bien. Voilà. Ah, il y a un truc. Ils aiment tellement les enfants. Vous savez qu'ici, si vous. Yeah. Exemple, les enfants, c'est sacré. Et la vie de tous les jours, ben écoutez. Au supermarché, je pourrais vous envoyer, j'en ai des photos, même des vidéos, où je me promène dans un petit supermarché Piaturoshka ordinaire, Oui. d'ailleurs qui sont ouverts. Les petits magasins sont ouverts pour la plupart de 8 h du matin à 23 h. D'accord, bien. Et beaucoup d'entre eux sont ouverts jour et nuit, mais il ne manque rien. Qu'est-ce que vous voudriez, Philippe? Dites-moi, qu'est-ce qui vous manque? Est-ce que vous aimez, je ne sais pas, le cognac? Ou bien le camembert? Ou bien. Ou qu'est-ce qui pourrait être. Ah! Là où je suis, c'est peut-être le poisson. Parce que les poissons sont forcément surgelés, puisque la mer est à 1 500 km. Évidemment. Il ne manque rien. Je veux dire, les routes sont convenables. Alors, Michel, qu'est-ce qui vous révolte actuellement? Dites-moi. Alors, ce qui me révolte, c'est on entend en France, parce que je regarde France, j'écoute France Info, c'est qu'on entend exactement le contraire de ce qui se passe ici. J'ai lu sur France Info, vous m'entendez? Oui. Hein, j'ai lu sur France Info. Allô. C'est ce que j'allais dire. Je fréquente les jours. Allô? Oui. Vous m'entendez? Je fréquente une salle de sport. Alors, vous avez vu sur France Info, qu'est-ce que vous avez vu? Les conscriptions forcées et terribles. Et vous? Ou tout au moins, fortement les gens à aller à l'armée Oui. pour se battre. Ici, à Koursk, nous avons 450 000 habitants. Pour autant que je sache, il y a, je ne sais pas, des dizaines de salles de sport. Vous savez, dans un pays où il fait froid, la Oui. principale activité sportive, c'est quand même la musculation, hein, ou la piscine. Il y a des gens qui connaissent des pleines formes physiques, en perfection, avec des, entre, on va dire, entre 18, 17 et 40 ans. Qui croyez-vous qui vient les chercher à la sortie? Ils sont là, ils sont tranquilles, il y a quelques affiches. J'entends plus du tout là.
Répétez-moi ce que vous venez de me Vous dire. ne m'entendez plus? Non. Voilà. Répétez-moi ce que vous venez de dire dans Je les vous grandes dis, salles. dans les salles de sport, il y a des milliers, seulement à course, des milliers de jeunes gens. Et 67 ans, puisque je suis là. Mais il y en a plein. Et jamais personne à la salle de sport pour aller faire la guerre. Personne, jamais. Je peux vous le jurer, ce n'est que la ville de Koursk. Et dans la rue, rarement, mais quelquefois, ils affichent vous battre. Vous aurez 1 million de roubles. Mais ce n'est que des publicités. Ce ne sont que des publicités. J'avais une articulation de la hanche qui ne fonctionnait plus du tout. J'ai été opéré gratuitement. On m'a mis une hanche en titane. Je n'ai rien payé. 2 jours plus tard, je marchais. On m'a envoyé en centre de rééducation sans aucun problème. Et chez eux, c'est la vie normale. Voilà, c'est bon. Dans une clinique, dans un hôpital de Moscou, très joli. Des amis que nous avons à Moscou, on va dire, c'était peut-être, vous savez, Moscou, c'est une ville immense. Donc, c'était ma clinique était peut-être à 40 km du centre. Bien sûr. Et nos amis Dimitri et Rita venaient me voir tous les 2 jours. Alors que nous ne sommes que des amis. On dit, oh mince, Michel, excusez-moi, manque de sous-vêtements. Voilà, on connaît, bon, on connaît, mais. Voyez-vous, Oui. la vie ici, si on veut conclure, la vie ici, elle est comme partout. Les gens aiment leurs enfants, ils aiment leurs amis, et je trouve qu'ils sont peut-être plus patients et plus doux que bien des gens que j'ai pu rencontrer autrefois. Pas forcément aimables a priori. Mais dès que tu les côtoies un peu, que tu les connais, ils sont extraordinairement gentils et ce sont quand même Oui, des allô? orientaux. Je dis, ce sont quand même, à mon avis, des orientaux. Oui. Tu pourras. Michel, je vais essayer. Alors, bon, je ne suis pas sûr d'arriver à faire un montage là, parce que ça a été, il y a eu des vrais problèmes de connexion là. Ce que je vais faire, je vais essayer de faire le montage et je t'envoie un lien. D'accord? Tu me dis si c'est d'accord ou pas. OK? Et puis ensuite, bah voilà, on le diffuse. Bien sûr, Alors, ça va tout à être fait. hyper dur parce que là, il y a des interférences incroyables.